Je déteste. Le silence. Mais j'aime la solitude. Sans être masochiste, je crois que la vie nous invite à tous les paradoxes, quels qu'ils soient. Sans l'autre, savons-nous vraiment ce que nous sommes, ce que nous valons? Moi, j'ai beaucoup voyagé un vers l'autre. À l'âge de 8 ans, sans aucune raison particulière, un camarade de classe est venu me mettre une claque. Bizarrement, tout d'un coup, j'ai oublié ma peur. J'ai ressenti une colère, cette colère m'a transporté vers ce petit camarade, et alors là, je lui ai, mais alors, éclaté la gueule. Vous aimez les frites? Vous aimez les frites? Quoi? Demeurez dans le silence, s'il vous plaît. Vous préférez que je vous laisse avec votre solitude? Oh! Huit maris, huit divorces. Voilà. Je suis pas fier du chiffre, hein. Je suis juste consciente que je peux m'améliorer dans les choix à venir, c'est tout. À 18 ans, par exemple, je me trouvais pas moche, hein. J'avais pas vraiment envie de me trouver belle, mais je me trouvais pas moche. Bon, c'est un bon début, déjà. Hein. En vérité, j'avais qu'une envie. C'était que quelqu'un me dise ce que j'arrivais pas à me dire moi-même. Tu es belle. Eh ben, j'ai trouvé le moyen d'aimer quelqu'un qui m'a dit je t'aime. Et par la suite, tous ceux qui m'ont dit « Tu es belle », je leur répondais « Vous savez quoi? Tu dis ça parce que t'en veux à mon cul. » Vous aimez les frites? Oh, vous m'emmerdez avec vos frites. Vous faites penser à mon cinquième mari. Tant qu'il n'avait pas la réponse à sa question, il continuait de poser la question. Moi, je prenais un malin plaisir à pas lui répondre. Ma chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On fait quoi pour les vacances? Où est ma chemise, Didi? Tu m'aimes. Tu étais où hier soir? Tu m'aimes. C'est toi qui as pris les clés de la maison? Où est mon pantalon? Tu m'aimes. Dis-moi où est ma veste? Par lassitude, un jour, j'ai répondu dans ton cul. C'est pas très original, hein, mais ça lui a pas plu. On a divorcé, et voilà. La grossièreté a parfois du bon, hein. Enfin, même si pour moi, c'est pas de la grossièreté, c'est plutôt de la grivoiserie. Les gens grossiers sont souvent cons. Hein. Les grivois sont des cons qui s'en sont sortis. Vous aimez les frites? Vous aimez les frites? Oh, vous m'emmerdez avec vous. Si j'aime une chose plus que tout, c'est la musique. La musique est une porte d'entrée vers un monde plus léger. Un monde dans lequel
Je me sens bien. Ce monde ne doit souffrir aucun mensonge. À la différence de celui qui nous lie maintenant ? Oui. Vous croyez vraiment que tout ce que je viens de vous raconter depuis le début est la vérité ? Vous voulez entendre une histoire ? Je vous raconte une histoire. Le monde est fait de gens qui se racontent des histoires. Vous aimez les frites ? Ah, les frites.